Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. La crise est très profonde entre Henri Conan Bédier et Alassane Ouattara. Anciennement alliés, ces deux hommes sont aujourd'hui diamétralement opposés. Dans sa lutte contre le chef de l'État, le sphinx de Daoukro a bénéficié récemment d'un important soutien. Henri Conan Bédier, 86 ans, est devenu par la force des choses, le chef de file d'une opposition vent debout contre Alassane Ouattara. Alors que le Conseil constitutionnel a validé leur candidature pour les échéances électorales du 31 octobre dernier, le président du PDCIRDA et le porte-parole de l'opposition, Pascal Affine-Guessant, ont refusé de participer au processus électoral et ont lancé un appel au boycott actif de l'élection présidentielle contre la candidature du patron du RHDP qu'ils jugent illégale. Nous ne nous sentons nullement concernés par l'élection présidentielle en l'état actuel des choses et appelons nos militants à faire barrage au coup d'état électoral qui se prépare. Nous appelons nos militants à empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mot d'ordre de boycott actif par tous les moyens légaux à leur disposition, afin que le pouvoir actuel consente à convoquer l'ensemble des forces politiques nationales et trouver des solutions. Toutes les revendications qui sont ressorties de la proclamation des candidatures, avait déclaré Pascal Affine-Guessant le jeudi 15 octobre 2020. Cependant, Alassane Ouattara a été réélu pour un troisième mandat, avec le score de 94,27% des voix. Mais Henri Conan se braque face à la victoire de M. Ouattara et prend la tête du Conseil national de transition, créé le lundi 2 novembre 2020 par l'opposition ivoirienne. Le CNT est un organe qui devrait se substituer aux institutions de l'État et préparer l'organisation d'élections crédibles, transparentes et inclusives. Le président ivoirien de son côté n'a pas voulu laisser prospérer cette entreprise. Il a tout de suite mis aux arrêts des figures de l'opposition, entre autres Pascal Affine-Guessant et Maurice Kakoulikahué. Le président Bédier doit sa liberté à son âge avancé, comme l'a signifié le procureur de la République, Adou Richard. Devant ce conflit entre Henri Conan Bédier et Alassane Ouattara, les membres de la coordination de l'ancien mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ont brisé le silence en apportant leur soutien au président du PDCI. Dans un communiqué, ils ont apporté leur compassion et leur indéfectible soutien aux natifs de Daoukro et son époux pour toutes les injustices qu'ils ont subies. Les militants de l'ex-MEECI expriment également leur attachement et leurs encouragements au président du parti pour tous les combats qu'il mène à la tête de l'opposition pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. La vivacité, la combativité et l'endurance du président Henri Conan Bédier à toute épreuve sont les signes palpables qu'il tient bien le pilotage politique du PDCIRDA et le gouvernail de l'opposition ivoirienne, peut-on lire dans le communiqué. Ils ont également demandé au doyen Henri Conan Bédier de poursuivre le dialogue politique, mais pas à n'importe quel prix, tout en maintenant le mot d'ordre de la désobéissance civile. Les anciens du MEECI appellent avec insistance Alassane Ouattara à libérer tous les prisonniers politiques de l'opposition dont l'arrestation est liée au troisième mandat anticonstitutionnel. Bien que le président Henri Conan Bédier ait posé des préalables pour la suite du dialogue politique avec le chef de l'État, Alassane Ouattara, les deux hommes n'ont pas rompu les liens. Ils sont en contact permanent, a assuré le 25 novembre 2020 dernier, le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré. Une nouvelle rencontre est même prévue entre les deux ex-alliés. Henri Conan Bédier a répondu favorablement à l'offre de dialogue proposée par le président Alassane Ouattara, lors de son adresse à la Nation, le lundi 9 novembre dernier. Les deux adversaires politiques se sont rencontrés ce mercredi 11 novembre 2020 au Golf Hotel d'Abidjan. Les deux hommes avaient prévu se revoir. Mais le président du PDCIRDA a décidé de son propre chef de suspendre toute discussion entamée avec le parti au pouvoir, estimant qu'il n'est pas possible de continuer ce dialogue sans la libération de tous les militants et cadres de l'opposition incarcérés et en attente de jugement. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a attesté qu'en dépit des préalables imposés à l'opposition pour la suite du dialogue politique, le chef de l'État Alassane Ouattara et le PDCIRDA Henri Conan Bédier se parlent en permanence depuis la dernière rencontre. Une information qui a été confirmée par Jeune Afrique dans sa publication du 30 novembre 2020. En effet, selon le confrère, avant même de se rendre à Paris le 27 novembre, dans sa résidence secondaire à Mauguin, dans le sud de la France, Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier ont pris la parole et une rencontre devrait se faire avant fin décembre 2020. Reste à savoir si cette seconde rencontre permettra la libération des détenus politiques et favorisera le retour de la stabilité en Côte d'Ivoire. Henri Conan Bédier, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a nommé ce lundi 30 novembre 2020 une nouvelle conseillère spéciale, chargée de la communication sans toutefois démettre Djéné Bouzongo de ses fonctions. La décision signée de Henri Conan Bédier porte l'objet nomination du conseiller spécial du président du parti, chargé de la communication.
Il s'agit de Depro Cyriel Emmanuel Conéobrou, jusque-là peu connu des instances du vieux parti. La décision indique que cette nomination obéit à la nécessité de service, tout en faisant remarquer que c'est à la demande du secrétaire exécutif du parti, Maurice Kakoudikahué, chef du secrétariat exécutif, empêché. La décision ne dit rien sur le sort réservé à Djenebou Zongo, jusque-là connue comme la directrice de la communication du PDCI. Reste-t-elle à son poste de directrice de la communication ? La nouvelle conseillère spéciale chargée de la communication du président du parti va-t-elle s'occuper, par ailleurs, de la communication du PDCI ? Qui fera quoi ? Rien n'est éclairci. Djenebou Zongo, jusque-là, directrice de la communication du président du parti septuagénaire de Côte d'Ivoire, Aimé Henri Conan Bédié, se fait très rare depuis quelques semaines. Des rumeurs sur la toile faisaient état de ce qu'elle aurait été démise de ses fonctions. Selon un membre de l'équipe de communication du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, contacté par le confrère en ligne Afrique sur 7, la directrice de communication du président Bédié n'a pas été limogée comme veut le faire croire la rumeur. Il n'a donc pas manqué de donner la raison de son absence. Il n'y a pas de décret ou de décision qui désigne un intérimaire à la communication. Jeunie est toujours la directrice. Seulement, elle est un peu souffrante, renseigne-t-il puis continue. Lorsque le président Bédié devait nommer des intérimaires au secrétariat exécutif en remplacement de Guy Kahué, et aussi à son cabinet en remplacement de Nri Narcisse, il a signé un décret de nomination. Jusque-là, il n'y a eu aucune décision qui annonce le départ de Johnny, Djenebou Zongo, virgule, fait remarquer l'interlocuteur du confrère. À en croire l'interlocuteur du confrère, la plupart des réunions du département communication du PDCI qui se tiennent présentement se font sous la houlette de Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif du PDCIRDA, chargé de la communication, l'information et la propagande. Voici qui est donc clair sur la raison de l'absence de Djenebou Zongo. Certainement que les prochains jours permettront d'avoir des réponses précises. Une chose est certaine, Bédié a nommé une nouvelle conseillère spéciale chargée de la communication. Les rumeurs sur cette nomination avaient couru en fin de week-end. Elles viennent enfin d'être confirmées.